Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que je devais vous faire déjà depuis quelques jours et j'ai pas encore trouvé le temps de vous la faire. Je suis désolée. Donc voilà, c'était pour vous présenter le petit carnet, enfin on va dire le livret avec les échantillons de laine de Bergère de France. Alors, je vous avais déjà présenté le cahier de fiches créatives, donc celui-là. Je vous l'avais montré, je vous remettrai le lien ici quelque part. Voilà. Donc, il y avait tous les modèles dedans. Et donc, aujourd'hui, donc c'est celui-ci qui correspond avec ce livre. Donc, si vous recevez ça, il faut que vous achetiez ça pour vous avoir les explications des modèles qu'il y a là, qu'il y a dans ce petit livre. Voilà. Donc, je vais vous présenter mes faces bureau pour que vous voyez mieux. En même temps, en ce moment, pour celles qui ne reçoivent pas les pubs de Bergère de France, il y a une promo en ce moment qui est jusqu'au 1er février. Je ne suis pas sponsorisée Bergère de France, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est parce que j'ai juste envie de le dire. Il y en a 10 pelotes achetées et 10 gratuites. Voilà. Donc ça veut dire que si vous achetez 10 pelotes, par exemple barisiennes, rouges, on va dire, vous pouvez en avoir 10 gratuites rouges ou alors 10 gratuites bleues, mais ce sera des barisiennes aussi. Voilà. Donc, voyez, ça vous fait ça. Voilà. Voyez, vous pouvez avoir soit, par exemple, tout en bleu ou soit 10 en rouge, 10 en rose. Voilà. Mais ce sera la même laine. Alors, ce sera, vous n'aurez pas une laine, mohair et une laine barisienne. Voilà. Donc, dans celui-là, on vous montre les modèles aussi. Bon, c'est les modèles qu'on. Il n'y a pas d'explication hein, là. C'est juste des modèles que l'on retrouve dans les catalogues et sur le site internet. Donc, rien de nouveau. On va même les retrouver dans celui que je vais vous montrer. Et sinon, on retrouve également, alors, j'avais vu un truc, oui, on retrouve donc la liste ici en bas des derniers livres, donc même ceux qui sont en promo, vous pouvez retrouver en ce moment, il y a des livres, alors, best of, par exemple, alors ils se sont trompés, ils ont marqué best of, layette et fête, mais je crois, je sais pas s'il y avait de la layette dans celui-là, je me rappelle plus, enfin, soit, non, alors ils ont pas dû se tromper. Il est, au lieu de 3 euros, il y a 90 centimes, par exemple, le livre. Le livre enfant bébé été, pareil, il est à 90 centimes. Donc ça vaut le coup hein, si vous voulez faire le plein de bouquins avec des modèles de tricot. C'est le moment de regarder parce que bon, bah, il y a quand même des bons prix. Donc vous les retrouvez sur le site internet. Voilà. Et puis à partir de demain, il y a les soldes. Hein. Et là, ils sont déjà les soldes hein, sur le site. Voilà. Donc, ça, c'était à part. Donc là, moi, j'avais eu également, bah, c'est le bon de commande. Mais moi, les bons de commande écrits, je m'en sers jamais. Donc, voilà. Je vais vous mettre en face bureau pour vous montrer ce qu'il y a dans ce livre. Et vous montrer donc les échantillons de laine. À tout de suite. Alors voilà, donc ça c'est le petit, ça c'est le grand que je vous avais déjà présenté. Vous voyez, donc avec les modèles là, il n'y avait que des explications hein, dans celui-ci, voyez,
n'y a vraiment que des explications. Donc celui-ci, j'ai plus le prix, mais enfin bon, vous le retrouvez sur le site internet. Il n'y a pas de souci. Donc là maintenant, vous retrouvez donc tous les modèles dans ce petit ici. Donc ils sont beaucoup mieux, beaucoup plus visibles. Voilà, je vais arriver à le dire. Bon, il y a toujours la petite histoire de Bergère de France hein, dessus. Alors, ils expliquent comment lire le catalogue, comment débutant très facile. Voilà, ils expliquent BBBBB, ça veut dire expert. Voilà, le nombre de B, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, pour le crochet, pour le tricot. Là, ils vont remettre un tableau pour mesurer pour votre taille. Alors, pour les bébés, enfants, hommes et femmes. Voilà. Comme ça, ça vous permet de bien vous mesurer et pour savoir à quelle taille vous correspondez en lettres. Donc, XS, S, M, M, L, XL, etc. Pour les enfants de 3 à 14 ans. Et pour les bébés, ça va de préma à 24 mois. Vous avez l'explication aussi pour l'entretien des tricots, voilà, avec tous les petits symboles. Bon, toujours des petites explications, comme quoi il y a des cours en ligne, voilà. Et ici, on arrive maintenant donc au modèle. Bon, la première page, il n'y a pas de laine. Les premières pages, il n'y en a pas. Voilà. Donc, vous retrouverez le nom de la pelote, son prix. Vous allez retrouver quelle taille ça se tricote ou ça se fait au crochet. Vous avez le petit sigle pour voir si ça se fait à la machine, si vous pouvez tricoter à la machine. Je vais essayer, voilà, peut-être comme ça. Là, les sigles pour l'entretien, voilà. De l'écoton. Bon, là, il n'y a pas encore la laine. Là, un gilet en pur coton. Là, la laine, elle s'appelle Cabelou. Voilà. Ici, un joli gilet en alpaga mohair. On va arriver hein, aux échantillons de laine. J'aime bien, c'est celui-là, le frimousse. Il me tente bien, celui-là. Ça fait un peu nounours. Là, c'est de la très grosse laine qui se tricote avec du 12. Alors celui-là, je l'ai vu tricoter sur le groupe de Bergère de France. Là, il donne pas très très bien, je trouve. Mais j'ai vu une dame qui l'a tricoté. Alors c'était le gilet était beige et elle a tricoté le tigre en bleu marine. C'était magnifique. Là, comme ça, non, c'est pas très joli. Voilà, alors ici on commence à avoir donc nos échantillons de laine. Donc ça j'aime bien parce qu'au moins on peut la toucher, on voit l'épaisseur. On voit les différentes couleurs qui peuvent exister avec les références et les nouveautés. Mmh.
Là, c'est la Parisienne, justement. Alors, c'est la. Ils disent pas c'est laquelle de Parisienne. Ça doit être la 7, celle-là. Là, c'est la Sport Plus. Pour faire un joli châle. Enfin, un poncho plutôt. La Sport Plus ressemble à la Parisienne. Hein. Alors, ici, c'est une nouvelle image. C'est une nouvelle laine, celle-ci. Elle est en mérinos et acrylique. Là, en bas, c'est la mérinos. La flocon. Dans laine acrylique polyamide. Oui. Là, pareil. Alors ici, c'est la fibre, c'est la recyclée. Alors, c'est 100% de fibres recyclées. Il y a de l'acrylique, de la laine, de la polyamide et des fibres diverses. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, ici, la cocooning, elle est belle. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, elle brille. Il y a un petit fil brillant dedans. Alaska. La douce laine, la toison. Donc là, j'ai un gilet, moi, à me faire avec celle-là. Donc, il va être fait dans cette couleur-là. Ici, la prune. La filou, pareil, il y a un fil brillant. Celle-là aussi, dans la houppe. Donc aussi un joli, très joli celui-là. La mérinos, c'est du coton mérinos. Ah, là, l'ourson. Elle est toute douce celle-là. Encore de la mérinos, mais 2,5. Là, de l'angel. Alors, vous voyez, elle est très fine. Mais elle se tricote en 4 quand même. Donc, la parisienne 7. Donc, là, celle qu'on a vue avant, je ne sais pas laquelle c'était. Alors, la 12, sûrement. Voilà. La galaxie, il y a un petit fil brillant dedans. Une nouveauté. La Paulette. Donc ils ont fait le gilet là hein, en Paulette. Duvetine, et encore de la recyclée. Et voilà, ici on arrive dans les modèles que l'on retrouvera aussi dans le gros catalogue que je vous ai montré tout à l'heure. Donc les modèles pour hommes, femmes, enfants. Il y a vraiment des beaux modèles. La veste homme, elle est jolie. La femme aussi, hein.
Donc là, un petit gilet, très simple, avec des manches trois quarts. Là, c'est une écharpe à capuche. Un gilet à trou-trou, comme je dis, que je ne pourrai jamais faire. Enfin, un jour, peut-être. Alors ça, bon, ça, j'appelle... Je trouve ça un peu vieux, ça. Le petit gilet à basque, là. Mais bon. Le gilet de l'enfant, là, avec la tête de loup, de renard. Je sais pas. Un masque? Là, on arrive dans les bébés. Bon, là, moi, bébé, j'ai plus, hein. Donc, il y a des belles petites choses, hein, pour les bébés. La cape du chaperon rouge. Les petits pulls avec des petits moutons. Petite grenouillère en forme de pingouin. Alors ici, pour faire les poupées. Donc, ce sont des kits. Alors là, alors attendez. Donc, il y a le kit pour faire les poupées et il y a le kit pour les fauteuils aussi. Si vous voulez installer vos poupées. Donc, c'est des petits meubles en bois qui se montent soi-même pour installer vos petites poupées. Là, c'est les vêtements de poupées pour les poupées Marie-Françoise. Alors, une poupée Marie-Françoise, ils les vendent, hein, aussi. Donc, la poupée toute seule, 69,50 €, hein, quand même. Oh, pardon, oui. Oui. Ici, les kits pour faire les petits oursons, les petits chats. Oui, c'est les petits chats. Les petites souris. Là, les poupons. Donc, pareil, vous pouvez acheter les poupons. Hein. Donc, là, sont 36 ou 39 €. Et après, vous avez les kits pour tricoter, pour les habiller. Ah non, ce sont déjà des peluches déjà toutes faites. Et là, ah ben, le diamond painting. Ils s'y mettent aussi chez Bergère de France, voyez, ils se mettent au diamond painting. Alors les kits chez eux, ça coûte combien? 20, 50, 15 €, 20, 50, 30 €, 35. La Gorgus 29,50 €.
Oui. Alors ici, après, on a des kits créatifs. Avec le tri un tricotin. Des kits pour faire des petits chiens, etc. Pour faire les pompons. Ici, des tricotins. Oh, je sais même pas si je vais encore faire du tricotin. J'en ai fait, mais quand j'étais toute petite, petite. Sais pas si je vais encore en faire. Et ici, donc, la mercerie. Alors, les aiguilles. Donc là, avec la trousse. Mais là, bon, c'est des courtes. Hein. Alors, moi, ça, même pas en rêve. 35 cm. Non. Là, c'est les Knight Pro. Donc, elles sont un peu chères, mais elles sont très. C'est vraiment des bonnes aiguilles. Donc là, moi, j'ai, comme j'avais vu, je voudrais prendre des bonnes aiguilles circulaires. Bon, malgré que j'aime pas les aiguilles circulaires, mais justement, comme j'aime pas, j'aime peut-être pas parce que j'avais des mauvaises. Donc, une amie à moi m'a conseillé bah, justement cela. Donc, bah, je vais voir, si, attendre s'ils les mettent en solde. Peut-être pas chez eux, mais dans une autre boutique, je vais voir. Voilà, là, il y a des aiguilles en érable, en bambou. Moi, j'aime pas non plus en bambou. L'aluminium, là, oui, d'accord. Il y a même des 50 cm, ça c'est l'idéal pour moi. 50 cm, ça c'est ce que j'aime bien. Là encore des Knight Pro. Alors, je crois qu'ils doivent être moins chers ceux-là. Ouais, ils sont un peu moins chers ceux-là. Alors en plastique, mais alors là, même pas en rêve. Hein. En plastique, c'est même pas la peine. Là, les crochets. Et on arrive au sac. Un joli sac, petite mallette à couture, une boîte à couture. Un sac à tricot. Les boutons, bien sûr. Donc les boutons naturels, boutons recyclés, bio, éthique. Ah ça, j'ai dû en prendre pour un gilet, non un pull que j'ai fait à Chouchou. La joie, c'est pour deux, c'est 18 euros. C'est vrai, ça coûte une fortune ces boutons. C'est des brandebourgs qu'on appelle ça. Mais ça coûte une fortune. La preuve, là, 18 euros pour deux. Je crois que j'étais pas loin, moi, de ce prix-là quand j'ai acheté les deux pour le pull à Chouchou. Là, des boutons classiques. Les boutons de layette enfant. Les boucles, les attaches en métal. Des petites choses pour customiser vos pulls. Alors, des accessoires. Alors, des petits pompons pour mettre sur vos bonnets. Des vignettes à coudre sur vos créations. La dentelle, ils n'en ont pas beaucoup. Hein. Il y en a deux. Des semelles pour créer des chaussons et des chaussettes.
Voilà. Donc vous tricotez vos chaussettes et vos chaussons. Donc il y a un livre pour ça, pour expliquer. Et ici encore les accessoires, donc les contrants, comme moi je me sers. Ça, bon, ça et ça, j'aime pas. Je l'ai, mais je n'aime pas. Bon, les aiguilles. Les marqueurs. J'ai encore des marqueurs, moi, en haut, que j'ai fait, que j'ai fabriqué moi-même. Je crois que je vous les montre. Donc, des arêtes-mailles. Les aiguilles à torsade, les aiguilles circulaires, les navettes à jacquard, les protège-pointes, ça je vous en avais vu hier, hein. Des chaussettes protège-pointes. Et après, donc les jauges, ça c'est pour mesurer vos aiguilles, les calculateurs de tricotage, ça c'est pour savoir, pour vos échantillons. Chaque fois, je dis, je vais m'en acheter un et j'y pense pas. Bobine noire, c'est pour refaire vos bobines. Les rasoirs anti-bouloche. Là, il a 10,40 €. Et Action, il est plus cher. Action, il coûte plus cher. Des rangements. Les boîtes à pelote. Là, pareil, des bols à... Des bols à pelote. Métier à tisser. Il y a quand même pas mal de choses. Hein. Des petites pinces, de la colle à textile. Des enfils aiguilles. Ah, un enfil aiguille lumineux. Tiens. Là, les roulettes à patron, des crayons, alors, des tissus, donc quelques tissus, pas beaucoup, mais bon, il y en a quelques-uns, des intérieurs de coussins, des fibres de rembourrage, puisqu'ils vont des coussins à broder ou à... Ouais, tapisser. Bon, les ciseaux. Les lampes. Lampes loupe. Machine à tricoter. Tiens, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'ils vendaient des machines à tricoter. Bon, bah, vu le prix, je suis pas prêt d'en acheter une. Enfin, surtout celle-là. 2249 €. Ouais. Dans le temps, j'en voulais une. Je rêvais d'avoir une machine à tricoter dans le temps. Puis, l'envie m'est passée. Là, il y en a une autre à 589,50 €. Mais de toute façon, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, machine à coudre, Singer. Et voilà les coussins dont je vous parlais. C'est les coussins pointe croix, donc avec de la grosse laine. Okay. Ici aussi, quelques broderies. Et il y a quand même pas mal de choses. Hein. Des fois, on va sur le site, mais on regarde que la laine. Et on pense pas regarder le reste. Voilà, des petits kits de chemin de table. Ils sont très jolis. Les kits pour les bébés. Ah, le point noué, j'adore ça. Mais je trouve, je voulais en racheter un, mais je trouve que c'est hyper cher maintenant, ça, le point noué. Je vois pour en trouver, mais
moins cher. Ça, les coussins, les gros coussins, enfin les coussins avec les gros points de croix. Il y en a des jolis. Et voilà. Et là, on donc la librairie, donc les livres qu'on retrouve sur le site. Ici, pour les points de croix, les points de tricot, pardon. Un guide essentiel sur le tricot entrelaque. Ça, je connais pas. Il faut juste savoir monter, tricoter à l'endroit ou à l'envers, relever et augmenter ou diminuer des mailles. L'entrelaque. Il faudrait que je m'intéresse à ça pour regarder ce que c'est exactement. Voilà, et après, bon, quelques livres hein, sur la dentelle, les châles. Tricot circulaire, crochet, tricot brioche. Pour les tricoter les chaussettes, tricoter des moufles, tricot islandais, tricoter le jacquard, les pulls de Noël, Harry Potter. Pour celles qui aiment Harry Potter, il y a un livre sur les tricots d'Harry Potter. Là, c'est tous des livres pour les poupées, les petits animaux, tout ça. Et voilà. Ensuite, bon, il parle de... Voilà, rien de spécial à la fin. Donc, voilà. Donc, je vous remontre les deux livres. Donc, celui-là, vous l'aviez déjà vu, hein. Et donc, je vous ai remontré celui-là aujourd'hui. Ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous savez que les commentaires, j'aime beaucoup ça. J'y répondrai avec grand plaisir. Et maintenant, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.